Ti-tu-tu-ti-tu-ti-tu. Oui, je me suis trompé de titre. Non, je crois que j'ai mis Pokémon Blanc. C'est Pokémon Blanc 2. J'ai menti. Bonjour. Mais c'est Blanc 2. Mais c'est pareil. Oh là là. Vous vous en remettrez, les enfants. Oui, c'est Blanc 2, je sais. Mais tout a été préparé sur Pokémon Blanc 2. Et ça fait moche de mettre Blanc 2, je trouve. Donc du coup, ça fait un peu genre... Tu sais, monter vos Blanc 2 en neige, et du coup, je trouve ça moche. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis Pokémon Blanc. Voilà, hein. Mais oui, c'est Blanc 2, du coup, voilà. Hein, pour tous les fans de la 5e génération, on va faire ce défi... Sur Pokémon Blanc 2. Oui, ça fait vraiment jaune d'œuf, hein, ça m'énerve. Salut à tous, c'est Philong, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le premier épisode du nouveau Let's Play qui va peut-être durer très peu longtemps, étant donné que on est sur... Ah oui, alors il y a un truc qui est très drôle avec ce jeu. J'ai un outil d'accélération, mais je sais pas pourquoi, il marche bizarrement. C'est hilarant. En gros, il faudra pas que j'accélère, parce que quand j'accélère, en fait, ce qui se passe, c'est que le son accélère, mais met du temps à revenir. Et du coup, ça fait ça, regardez. Je vais appuyer 2 secondes, et après, vous allez voir ce que ça fait. Et j'ai lâché, là. C'est passé. Donc faut pas que j'abuse avec l'accélérateur, clairement je vais essayer de pas l'utiliser parce que sinon ça risque d'être un peu bordélique. Merci beaucoup pour le don. Du coup, nous allons faire un Iron Man. C'est la première fois que je fais un Iron Man. Et du coup, il y a des règles. Parce que c'est pas extrêmement facile comme règle. Il y a beaucoup de règles. Le Iron Man, en gros, le concept, il est extrêmement cool. Parce que c'est vraiment le véritable Nuzlocke hardcore au maximum. Mais de manière, disons, avec des règles dues, avec des règles pures. Pas des on va faire comme ça ici, on va faire comme ça ici. Donc c'est ça qui va être cool, je pense. Merci beaucoup, merci Luzio. Du coup, plusieurs règles. Règle numéro 1, le jeu est randomisé, mais pas full random, juste random, ok? Ce qui veut dire qu'un Pokémon en face n'aura pas des attaques aléatoires, il aura des attaques normales. Ce qui veut dire que je pourrais, dans les moments un peu difficiles, essayer d'aller check les moves que le Pokémon pourrait avoir. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ça me permettra de planifier un peu ce que je fais. C'est pas du full random où tu peux te faire troll en permanence. Ensuite, on ne peut attraper ou tuer un seul Pokémon par route. Attention, c'est pas un Nuzlocke, c'est un Iron Man, donc on peut le faire tu peux fuir les rencontres en fait jusqu'à capturer le bon Pokémon. Attention, très important, c'est là où c'est difficile, c'est le premier gros truc difficile du Iron Man. On ne peut attraper ou tuer un seul Pokémon par route. Donc le ou tuer est très important parce que ça veut dire que on ne peut pas XP sur, on peut pas XP en boucle sur les Pokémon qu'on rencontre sur les routes. On ne peut pas, on n'a pas le droit. Il y a que les dresseurs qui comptent. Merci beaucoup pour le popcorn. Ensuite, du coup, toute l'XP vient forcément des dresseurs. On peut pas XP sur les Pokémon, comme j'ai dit. Le niveau est augmenté. Ça, j'ai oublié de le dire dans ma petite vidéo. Le niveau est augmenté de 50%. Tous les dresseurs et Pokémon sauvages voient leur niveau augmenter de 50%. Donc, ça rend le jeu plus difficile, évidemment. Parce que toi, tu commences avec un Pokémon de niveau 5 quand même. Le son est fort. Merde.
Est-ce que c'est mieux? Je pense que c'est mieux. Donc je répète, si le son était trop fort, jeu en random, on peut attraper ou tuer un seul Pokémon par route, toute l'XP ne vient que des dresseurs, niveau augmenté de 50%. Quand un Pokémon est KO, je ne peux plus l'utiliser, normal. Différent du Nuzlocke, si je perds un combat, la partie est finie, je ne peux pas recommencer. What? Chiyome, c'était quoi ça? On est d'accord, j'ai mal lu. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Merci beaucoup, je sais pas quoi dire. Merci du fond du cœur, merci beaucoup. Et dernière règle, pas de shop. Et ça, c'est sans doute le plus dur. On ne peut pas acheter de potions, on ne peut pas se soigner avec le shop. Les objets sont autorisés en combat, mais c'est extrêmement limité. C'est extrêmement limité. Ça veut dire que, en gros, je peux aller chercher les objets cachés, et je peux utiliser des potions en combat, je peux utiliser des objets en combat, sauf des rappels, évidemment, mais je n'ai pas le droit d'en acheter. Donc du coup, ça veut dire que j'ai un nombre de potions qui est limité pour toute la game. Je dois avoir, je sais pas, 5 potions, 5 super potions, etc. Et sans plus tarder, commençons! Hello! Bienvenue dans le monde des Pokémon! Mon nom est Keteleria! Tout le monde m'appelle le professeur Pokémon. Donc on est sur blanc 2, hein. Ce monde est peuplé de créatures mystérieuses appelées Pokémon. Les Pokémon ont tous des pouvoirs. Oui, évidemment. Ils vivent en paix avec les humains. On connaît, hein. C'est pas le premier jeu Pokémon que je fais, hein. J'étudie ces fameux Pokémon. J'en ai fini avec mon monologue. Parle-moi un peu de toi. Oui, c'est moi. Je m'appelle Fifou. Ah, c'est vrai que la 5G, c'était... Les menus étaient vraiment cool, hein. Est-ce que c'est la 5G qui a les meilleurs menus de Pokémon? Fifou! J'adore ce nom! C'est le retour de Fifou! Oh, et oui, on peut nommer un rival! Oui! Ah bah, il s'appelle clairement pas Matisse. Lui, il s'appelle... Étais-tu en train de sauver le monde pendant ces 4 minutes? Il s'appelle Rototo. Oui, j'étais en train de sauver le monde, exactement. Il s'appelle Rototo. Il s'appelle Rototo. C'est bien Rototo! Mais oui, c'est Rototo le rival! Je te fais confiance, je vais te confier un Pokémon. J'espère que t'en prendras bien soin. Ah, Rototo. Une foule de gens avec des opinions et des idées très variées. Voilà, on va grandir. C'est parti, mon kiki! Printemps. Oh, c'est mignon. Oh, la 5G, Pokémon version blanche 2. Petit passier. Comment se passe ton mois de janvier, Fifou? Ça va. File donc 2024, toujours 12 ans. C'est vrai que j'ai 34 ans, hein. Mais bon, c'est pas grave, hein. Nos pressures. Oh, regardez, des feuilles qui tombent. Là, je peux reforcer un peu le son, non? Allô? Oui, Keteleria, ça faisait si longtemps. Un Pokédex pour mon trésor, mais ce serait génial. Prudence, Fifou. En avant. Prudence. Elle vient ici? Tu ne perds pas de temps. Avec un gros chapeau. Ouais, prudence. Alors, franchement, je pense que... Techniquement, le premier live, ça devrait aller. Pas du tout. Fifou, coucou! Ok. Ah, on peut directement courir, c'est vrai. Tu connais le professeur Keteleria? Une célébrité, une vieille amie. J'étais en train de discuter avec elle. Je sais que c'est un peu soudain, mais... Tu ne voudrais pas un Pokémon? Non. Non. Ok, bon. C'est la génération des faux choix, la 5G, c'est un peu chiant. Tu connais le Pokédex? Oui!
C'est pratique cet outil. Voudrais-tu un Pokédex? Non! 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 Attendez. Oui, je veux un Pokédex, allez, donne-moi. Ma sœur me disait que les graphismes en second jusqu'à la 5 grammes s'est dépassé. Ah bah, si c'est ta petite sœur, elle a pas tort. Tu sais ouvrir le Vokit? Oui, je sais ouvrir le Vokit. Allez. Fifou! Ok, il va falloir qu'on parle aux gens. Rototo. Oh, c'est Rototo, le rival. Il y a pas de dresseur dans ce trou perdu, c'est d'un barban. Hein? Il y a une fille qui s'appelle Bianca qui va te donner un Pokémon. Si tu reçois un Pokémon, prends-en grand soin. Ah oui, elle a raison. Attends, est-ce que son Pokémon s'est fait voler déjà ou pas encore? Je crois pas. On y va. Ok, au revoir Fifou. Le défi est dur, je m'attendais à un jeu que tu connais de fou. PKNB2. Bah, justement, parce que je connais pas trop. Je rappelle, hein, la 5G, c'est la génération que j'ai le moins fait. Oui, bah voilà, c'est ça. On va faire un live par semaine, d'un jeu différent par semaine. Tu n'es pas d'accord? Le paysage est beau. J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Bianca. Tu habites ici, alors tu pourrais m'aider? Je cherche quelqu'un qui s'appelle Fifou. Tu la connais, cette personne? Non. Ah, justement, des lunettes. Mais c'est toi, en fait, quelle chance j'ai. C'était moi depuis le début, je suis trop contente qu'on se rencontre. Est-ce que tu veux bien essayer de compléter le Pokédex? Non, j'ai pas bien entendu. Bon allez, on arrête de faire ça, c'est chiant. Remplir le Pokédex, c'est vraiment trop amusant. Ouais, trop bien. Ton futur partenaire se trouve là-dedans. C'est vrai que je crois que c'est dans Noir de Blanc 2 qu'on te donne le Pokémon le plus vite. Donc ça, c'est mes choix. Alors, est-ce que... On prend qui? Il y a Roger Satan, ouais. En vrai, les mecs, je pense legit, le meilleur Pokémon, c'est Ponchien, non? Le diable. Non, mais... On est là pour jouer le lore ou on est là pour jouer le jeu? Parce que je crois que le meilleur Pokémon, c'est Ponchien, non? Vous voulez qu'on prenne Rhinastock? Mais on va se prendre un random type O et on va se faire one-shot, les gars! Bon, vous préférez qui? Attends, vous allez voter. Vous savez quoi, vous allez voter? Sinon, il y a le chien aussi, c'est vrai, c'est Fidel Castro! On prend qui? Bon, vas-y, on prend qui? Rhino Féroce? Ponchien? Ou Ammonita? Bon, Ammonita va avoir 2%, mais bon, je le mets quand même. Pour les trois fans dans le fond, hein. Pas si il a fermeté. Ce Pokémon n'a pas fermeté, les enfants. C'est pas du random, hein. C'est pas du full random, c'est du random, c'est pas du full random. Rhinastock a 140 en attaque. Non mais c'est sûr, mais déjà je pourrais pas le faire évoluer. Le Rhino Féroce, je pourrais pas le faire évoluer. Après je pourrais lui mettre l'évolu rock. Mais en fait, n'importe quelle attaque. Vous vous rendez compte que genre il y aura beaucoup de Pokémon de type plante en fait. Je sais pas si vous êtes au courant. Il y a beaucoup de type plante et de type eau dans le début du jeu, donc du coup voilà quoi. Après c'est vous qui votez, hein. Moi je vote pas, hein. Ok, bon bah c'est Ponchien qui gagne quand même, donc vous savez quoi, allez hop. Bon, comment il s'appelle Ponchien? C'est pas le même Ponchien que celui de Michel. Vous vous ressemblez, tu veux lui donner un surnom? Bien sûr. Comment s'appelle mon Ponchien? Il s'appelle... C'est quoi le nom? Il faut un nom qui... Le nom d'un chien qui fait peur. Il faut vraiment que ça inspire la peur chez les gens.
Non, pas Zezette. Non, pas Zezette. Non, ils font un truc un peu je pense qu'ils font un truc viril. Le nom le plus viril que je connaisse, c'est René. Et... René... En majuscule, le nom de famille. René Cru. René Cru. René Cru. C'est lui. Non, René Cruz. Oh oui, il a des origines. Son père, c'est René Cruz. C'est, en fait, je vous explique. En fait, son père est hispanique, mais sa mère est normande. Donc du coup, sa mère a insisté pour qu'il ait le nom de son grand-père, qui s'appelait René Dupont, mais son père s'appelle Cruz. Donc du coup, c'est René Cruz. C'est René. René Cruz. J'ai beaucoup de goût. Je trouve que c'est un super surnom. Le Pokédex. Non, franchement, René Cruz, ça lui va super bien. Il y a beaucoup de... Moi, je trouve vraiment, il y a déjà du lore, tu vois. Ok. Ok, René Cruz. Ton chien, il est doux. Du coup, il a une attaque qui augmente... Oh, il a intimidation. Il a charge et morsure stabée. Enfin, il a charge stabée et morsure. Intimidation, c'est fort, hein. On a le bon talent. Ah oui, on doit affronter. Ah oui, parce qu'il y a un monde où je me fais casser la gueule. Parce que son Pokémon va être niveau 7. Du coup. Donc, il suffit d'un Pokémon combat et on recommence tout. Lucario. Je voyage en Unis avec mon partenaire Pokémon. Ok. C'est vrai, il veut trouver... J'ai pas bien compris tes histoires, mais c'est bien si tu peux voyager. J'ai un Pokédex de trop. Les Pokémon vivent plus au même endroit que quand j'ai... Nanana, on n'est plus... Ok. Ok, Bianca. Vous avez des Pokémon, vous pourriez faire un duel. Ok. Ne pas mourir au premier dresseur. Let's see how good a trainer you are. I'll use my Pokémon that I raised from an egg. Ah ouais, il parle bien la vie, lui. Oh, Rototo. Bon, attends. Ok, c'est parti. C'est là que Terrakium. Ah bah... Ouais, hein, y a une chance, hein. Petit passier. Je suis déjà mort, non? What the fuck? Mais non, mais... René Cruz! Non! C'est bon, il a fait gros yeux! Il va jamais attaquer! N'attaque plus! Spam gros yeux! Mon gars! Spam gros yeux! Mais non, mais René Cruz! Il a fait gros yeux! Continue à faire gros yeux! Non! Me tape pas! Fais-moi gagner! Non! Oh! Non! Putain! Oh! Bon, ok. J'aurais dû en préparer plusieurs! Vous inquiétez pas, j'ai la technique pour randomiser vite. Tac, tac. Ensuite, c'est load settings. Tac, tac. Tac, ensuite c'est Save Settings, et ensuite c'est Randomize, Randomize Save, bam, bam. Voilà. Done. Ok, on recommence.
On recommence. Bon, je peux accélérer du coup. Ok, cette fois on a un absol. Attends. Le bruit qui a accéléré de ouf. Ça bute. Fifou. Ok, il s'appelle encore Ototo. Putain. René Cruz. Non mais je m'en fous. Ce sera la famille Cruz. Voilà. La musique. Ça suffit. Ok. Fifou, je suis indubitable. Le jeu, je suis Iron Man, endgame. Oh putain. La musique accélérée me tue. Ok, on accélère, on accélère. Ça, heureusement, on a perdu à une seconde. Ok, ok. C'est trop facile. Évidemment, il fallait qu'il ait fait balayage au niveau 7. Crotte. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Allez. C'est bon. Bon, ça va, ça se reprend vite. Alors, Adi, il faut un nouveau vote. Il faut un nouveau vote. Oh. Ah bah super. Bon, on prend qui? Vipélière? Paulagriffe? Ou Barloche? Bon, vas-y, slash, non. Qui? Paulagriffe? Barloche? Ou Vipélière? Putain, c'était quoi la chance d'avoir un Vipélière, quoi? Barloche? Non mais vous voulez vraiment que j'y passe? Mais c'est pas grave, on va recommencer, hein. Y a pas de souci, hein. Ça va bien finir par passer un jour. Oh là là, tout le monde veut Vipélière. Bon, allez, vas-y. Bon, alors, après René Cruz, il faut savoir que René Cruz a eu un enfant et il s'appelle... Marcel Cruz. Mais pourquoi je me prends la tête à écrire des noms alors qu'il va mourir au premier combat? Marcel Cruz. Merde. Marcel Cruz. Ok, maintenant c'est Marcel Cruz. Parce que c'est le nom de l'arrière-grand-père, mais vous avez compris quoi. Je trouve que c'est un super nom, Marcel Cruz. Ok, ok. Le Pokédex. Petit passier. J'accélère parce que je vais encore me faire péter la gueule. Bon, allez. Est-ce qu'on peut passer le premier combat? Oui, on peut. Petit Ravi niveau 8, ça va faire plein d'XP. Peut-être. En avant. Ah, ce serait bien. On va. Oh, les combats sont très durs. La douleur de mon Pokémon. Oh non 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 non. On est en train de galérer contre. On est en train de galérer contre un petit Ravi niveau 8. Aïe. Oh, il m'a crit le bâtard. Oh, il m'a charmé. Non, je peux pas perdre contre Petit Ravi, c'est littéralement le Pokémon le plus nul de la Voie Lactée. C'est pas possible. Il est 21h30 et on n'a pas passé le premier combat. Non mais les dégâts. Mais je suis à moins 6, j'ai pas contestation évidemment. Parce que vous aimez Vipélière, mais parce que vous pensez trop en mode il va avoir forcément contestation. Oh, je lui enlève un PV. Ok, attends, il est photocopie. Non mais c'est pas possible, je peux me laisser pas perdre contre Petit Ravi, je vous en supplie. Non.
Mais je veux pas perdre contre Petit Ravi! Mais c'est pas possible! Crit! Fais charme! Mais arrête d'attaquer! Mais c'est pas possible! Il me reste un PV! Vas-y Marcel! Fais une autre attaque! Mais sa mère, j'ai encore perdu! C'est quoi ce truc? J'arrive pas à passer le premier combat! C'est reparti, vous inquiétez pas. Open Room. C'est bien parce qu'on devient des professionnels de ce qu'il faut faire. Paf, paf, randomize, paf, paf. Et voilà! Et c'est reparti! C'est pas possible! On va y arriver, vous inquiétez pas, ça va finir par passer. Ok! Oh! C'est celle-là, c'est cette game. C'est la game avec Rhinastock. C'est la game avec Rhinastock. Il y a Rhinastock dans les Pokémon. Kifou. Rototo. Oh, la musique, c'est horrible. Ok. C'est parti, mon Kiki. Cette fois, on est bon. On va y arriver. Il faut un nom pour le starter. Attends. Ah, j'arrive pas, il va trop vite. Allez. Ok, cette fois on va avoir un bon starter. Je vais y croire. Allez, je veux une bonne option. C'est randomisé, donc du coup, techniquement, je peux avoir des Pokémon stylés, hein. Ok, les mecs, je crois qu'il y a un destin. Je crois qu'il y a un destin. On a eu deux fois Rhinoféros. Clairement, on va prendre Love Disc et l'Imagma. Et on a eu Rhinastock je crois que c'est ça, hein. Non mais là je fais même pas voter. C'est... Je crois que c'est officiel. Il nous faut Rhinoféros. Je crois que c'est dit. On veut Rhinoféros dans notre équipe. Tom Cruise? Non. Il s'appelle... Ouais, c'est bien ça. Jean Cruz. C'est Jean Cruz, les mecs. Mon père s'appelait Marcel Cruz. Et ma mère et mon grand-père s'appelait René Cruz. Et moi, comment je m'appelle? Je m'appelle Jean Cruz. Ok, pas de Pokémon O, s'il te plaît. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Mais c'est une blague! Ok, attends, non! Je suis peut-être plus rapide, j'ai peut-être... Oh, il est niveau 8. Il faut que je tanque une attaque glace. Oh non, j'ai pas d'attaque... C'est bon, il a stalactite. Non, il fait trop mal. Help. Mais c'est pas possible, je vais reperdre. Mais j'y arrive pas. Mais pourquoi je me fais casser le cul par un son bébé? Mais c'est pas possible. Jean Cruz. Pas comme ça. Mais je... Ok.
On reste calme. Ah, ok. Vous inquiétez pas. Normalement, la quatrième fois est la bonne. C'est quoi ce challenge ? Randomize. Le loré de ce jeu commence très mal. Courage à toi, mon frère. Ah non, mais on est en train de faire une legacy, là. C'est bien. Jean Cruz a échoué. Son arrière-grand-père a échoué. Ils ont tous échoué. Oh là là. Ça ne veut plus... Ça... Non ! Non ! Mon truc de randomisation marche plus ! Ça, tellement je l'ai fait ! Bon, attends. Tac. Tac. Randomize. Tac. Pas possible ! La famille Cruz ! Ok, c'est bon. Vous inquiétez pas, la famille Cruz va y arriver. Une pensée à Fifou qui souffre tous les jours pour notre plus grand bonheur. Non, 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 non. Vous allez voir, là, celui-là. Attends, je baissais le son parce que... C'est pas très agréable. Ok. Ok, cette fois, on a un Riolu. Riolu, Pokémon Fury. Le désillusion. Ah bah oui, c'est le cas de le dire, là. Merci beaucoup. Ok, Fifou. Rototo. Rototo. Heureusement que l'intro est pas longue, hein, dis donc, sinon, je serais vraiment dans la merde. Mec, t'es en train d'attaquer le stock de vaseline de Johnny Silla. Mais j'en peux plus. Mais pourquoi il est niveau 8? Bah oui, parce qu'ils sont augmentés les niveaux, quoi. Ok, 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 on va chercher Bianca. Tac, 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 tac. J'ai confiance en toi, bon, on y va. Allez, ok. Petit passier. Appelle le prochain pâté en cruise. Ok. Franchement, là, c'est bon. Là, on a un Pokémon de ouf. Bonjour, Fifou. J'ai invité quelques amis. Bon. En vrai, on a un Pokémon... Le Vénard, non. Dynavolt, ça pourrait être pas mal. Mais Lamperrois, en vrai, legit, c'est un Pokémon qui n'a pas de faiblesse. On va le prendre. Désolé pour les votes, hein. Je sais que vous voulez voter, mais... Et là, la survie du jeu est plus importante. Un Lamperrois. Oui, comment on l'appelle? Ok. Après René Cruz, après Marcel Cruz, après Jean Cruz, je vous présente... Petit passier. Merci Fildrong. Grâce à toi, on aura un nom bien français. Hervé Cruz. Hervé Cruz. Hervé Cruz, c'est parfait. Je suis efficace ce soir. Ah bah oui, là, dis donc, j'ai même pas commencé, j'ai déjà plein de morts. Ok, non mais Hervé Cruz, je le sens bien. Hervé Cruz, c'est sûr que lui, je vengerai mon grand-père et mon père et mon arrière-grand-père et l'intégralité de ma famille. Ok. Merde, non, 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 non. Oh, zut. Hervé Cruz. Ok, ok, allez, 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 s'il vous plaît. Prudence, Fifou, prudence, c'est moi le vrai de Salty Platinum. Ah bah, ok, j'espère. Ok, 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 s'il vous plaît. Normalement, y a pas trop de match-up. Oh non, il va avoir un type sol. S'il a un type sol, vas-y, je comprends pas, quoi. Poisson roi. Je t'en supplie, s'il a le talent caché, je... Hein, ok, Lamperrois versus Pressora, c'est peut-être maintenant. Ok, j'ai rayon chargé et j'ai étincelle. Il a que pic-pic. Oh mec, Hervé Cruz. Non. Ok, on a coup de boule. Non, il a eu... Mais
c'est pas possible! Je vous en supplie! Je vous en supplie, je veux battre le premier dresseur! Oh non! Non! Pas encore! Mais! Non, c'est pas possible! Hervé Cruz! Hervé Cruz! Pas une troisième fois. Hervé Cruz! Il s'est frappé 4 fois dans sa confusion. Oh, il fait trop. Il a crit. Ne fais pas pic-pic, fais ultrason. Ok, maintenant je me frappe jamais dans ma confusion. Hervé! Commencez à préparer des noms pour le prochain parce que... Hervé, pense à ton arrière-grand-père, Hervé! La puissance du feu! Mais Hervé! J'ai dit pense à ton arrière-grand-père, mais c'est pas possible de dire... Game. On a un beat en bois, on a un beat en bois en présentation, les mecs. C'est bon, cette fois. À ce train-là, c'est plus la famille Cruz, mais la famille Cruz. Ok. J'ai cette fois, on a eu le destin est venu nous montrer. Ok. C'est pas possible. Mais en plus, après, ça devrait le faire. Mais c'est juste l'intro est trop. Mais il avait... Pourquoi il avait le talent? Ne t'énerve pas, reste calme, tu as changé. C'est merveilleux. Ah bah, je reste c'est calme. C'est acharnement, je me marie. Ok. Ok. Le talent caché, c'est vraiment pas de bol. Non mais, la probabilité, quoi. Ok. Allez, Cateleria, s'il te plaît. Oh, Diamat. De type acier. Ok. Oh, mais Diamat, ça veut dire qu'il évoluera jamais. Par contre, Diamat, non, mais son talent, ça rate. Je vais me faire troll en permanence. Mais non, mais regardez mes options, mes diamants! Il va passer sa vie à rater ses attaques! J'en peux plus! Mais c'est quoi ces options? Mais Snubble! Pois sirène! Bon, bah on prend diamant, hein, on n'a pas le choix. Hein. Bon, il est un peu meilleur dans cette génération parce qu'il n'y a pas de type fée. Vas-y, j'ai vu un E de Cruz. Ah, on est en train de faire tous les noms en français bien là. Je pense à mon arrière-arrière-arrière-grand-père. S'il te plaît, Rototo, laisse-moi avancer mon let's play. Je veux juste jouer au jeu. S'il te plaît, Rototo. Ok, Entei, est-ce que... Mais non, mais c'est un Entei! Pourquoi je viens d'y penser? Oh non, mais Entei, mais... Ok, j'ai Dracorage! Oh, j'ai Dracorage! S'il te plaît! Ouais! La victoire! Et l'XP! L'XP contre Entei, ça va être énorme! 850 points d'XP! J'ai Dracorage! Le jeu est gratuit!
jusqu'au niveau 20 quasiment. Enfin, niveau 15. Oh oui! Oh, c'est bon! 21h45, on a battu le premier dresseur! Ud Cruz, qui a réussi là où son père, son grand-père, son arrière-grand-père et son arrière-grand-père ont échoué! Oh, la victoire! Avec un peu de chance, il a pas le talent... Mais je crois qu'il a un seul talent, Diamat. Attends, est-ce que Diamat a un seul talent? Ouais, il a un seul talent. Ouais, c'est forcément agitation, son talent. Donc, j'ai 50% de chance de rater toutes mes attaques. C'est 20% de chance de rater toutes mes attaques. C'est vraiment chiant de ouf, mais c'est comme ça. Après, je tape très fort. Ah là là. Et jusqu'au bout. Par contre, Diamat, il a que 3 faiblesses en 5ème génération pour le coup. Ah non, il a glace aussi, pardon. Il a dragon, glace, combat et insecte. Mais il a plein de résistances cool. En vrai, le type dragon, c'est fort au début parce que... Ah bah non, mais on est en random, donc je dis de la merde. Il me donne des pokéballs. Alors, je peux pas acheter de potions, hein, je rappelle. Oh non, mais putain, plus le... Tu dois être Bianca, mon trésor a choisi Moustillon. Non, c'est pas Moustillon. Tu peux mettre le sprite. Là, j'ai juste envie d'avancer, si tu veux. Mais... Ud Cruz. Oh, putain de merde. Je voudrais que tu donnes une de mes cartes à mon frère. Waouh, on peut voir tout Unis en un clin d'œil. Tu as l'air plus enthousiaste qu'avant. De type passé. Ok, comment les pros capturent des Pokémon? Et là, il lance les fils dans... Je fais ce que je peux. Ok. Ta-ta-ta. Tu as un Diamat avec toi. Oh, cette potion, elle est précieuse. Faut aller au centre Pokémon. Ouais, t'inquiète. Vous voulez le sprite? Ok, vas-y, tu sais quoi? Pour vous, pour vos beaux yeux, les gars. De toute façon, il est mort dans 2 secondes, le Diamat. Hein. Oh, par ici! Ça me rappelle cette journée sur la route 1. Les explications. Oui. Gna 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 gna. Salut à tous, c'est Diamat et bienvenue dans mon premier live. J'espère que vous m'accueillerez, que vous mettrez un pouce bleu. Alors par exemple, voilà, je vais faire charge de Surponcho. Oh là là, je lui fais super mal. Vite, il faut que je lance une Pokéball. Allez, je vais lancer ma Pokéball. Hop là, je vais dans mon sac. Je fais ball. Je lance une de mes 30 Pokéballs car j'ai beaucoup de Pokéballs. Oh là là, j'espère qu'il va rentrer. Car je veux vraiment capturer ce sacripant. 1, 2, 3. Et voilà, c'est dans le sac. Si vous avez aimé ce tuto comment capturer un Pokémon, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Diamat. Allez, on va à Maïd. Ok, alors je rappelle, attention, ce n'est pas un Nuzlocke classique, ce qui veut dire que je peux choisir le Pokémon que je capture. Oh, j'ai une nature qui baisse l'attaque spéciale. Oh. Bon après, en vrai, il a agitation, donc il veut plus se taper. Oh, par contre, le morsure agitation, ça va mettre des baffes. Hein. Ok, c'est-y, part.
Fragility. Ok, je peux pas le taper, je vais le tuer, je crois. Hein. On essaye de le capturer. Ah ouais, mais attends, mais est-ce que je peux... Attends, non. Attention, très important. Je peux vérifier ce qu'il y a dans le jeu. Genre, voilà, je peux checker ce que je veux dans mon équipe. Ça change beaucoup de choses, ça change beaucoup de choses. Ok, il y a un Porygon Calque, par exemple. De type passier. Ok. Fifou, quand tu imites Diamat, c'est pas je sais nous. C'est vrai. J'aurais dû dire ça. Ok, je crois que je veux lui dans l'équipe. En vrai, Tentacruel... c'est huge. Il compense faiblesse insecte, il compense faiblesse combat. Il compense faiblesse glace. Ok, ouais, bon, allez, vas-y. 100% on le capture. Ouais, ça change tout. Non, mais ça change tout, hein, c'est trop bien. Par contre, il faut qu'on capture le Tentacruel. Hein. Ouais, parce qu'il faut qu'on capture le Pokémon et je crois que, à mon avis, je le tue avec n'importe quelle attaque. Oh non, il va m'empoisonner. Après, si je suis empoisonné, je peux fuir et revenir jusqu'à en trouver un, en fait. Oh, c'est hyper dangereux. Est-ce que je vais me soigner et retrouver un... Bon, je peux réessayer une dernière fois, je pense. Ça rentre jamais dans une Pokéball. Mais oui, mais tu veux que je fasse quoi? J'ai un Pokémon qui tape trop fort. Il a... Ah ouais, il faut que je fuis, les mecs. Oh, sa mère. Aïe. Fuite. Oh non. Non. Eude. Eude. Terrible désillusion. Eude. Non. Eude. Fuis. Ce jeu, j'en ai... Ok. C'est pas pour mes nerfs, ce jeu. C'est pas loin de passer à la sixième génération. Non ! Pas la sixième génération. Ok. Putain, le Darvenin qui me instant empoisonne, c'était dur. Hein. Bon, bah maintenant, il faut qu'on retrouve un Pokémon qui nous va. Tentacruel, c'était vraiment bien. Ouh ! Il y a Symbiance aussi. Putain, j'aimerais trop le tuer pour avoir l'XP, mais je peux pas. Non, non, mais Tentacruel. Vraiment, vraiment pour de vrai Tentacruel. Il compense toutes mes faiblesses. Il compense toutes mes faiblesses, le Tentacruel. La Ligue en 2030. Non, mais une fois que j'aurai les premiers Pokémon, ça va aller. C'est juste que là, c'est long, quoi. Mais justement, ça rend le truc complètement... C'est la première fois que je vois un truc comme ça, c'est complètement épique. Oh... Level 9, 0 attaque seul. Ouais, mais je sais pas. Oh, c'est nul ça. Bon. Ok, il y a quelqu'un qui dit que je peux tenter de taper le Tentacruel. Donc je vais essayer coup double. Coup double, c'est pas. Ok, c'est parti. Si je me fais troll, c'est la vie. Ok, coup double, ça devrait pas tuer. Selon les calculs. C'est parti. Ok, déjà il faut qu'on touche. Ok, c'est parfait. Ok, parfait, parfait. Sac. Ball. Pokéball. Allez, allez, rentre dans la Pokéball, Tentacruel. 1, 2, 3. Yes! Ok. Donc là, je peux plus tuer de Pokémon. C'est quand 80 tentacules lui permettent d'emprisonner ses adversaires.
Ok. On va l'appeler... Tout mou. Ok, c'est tout mou. Tout mou parce qu'une menace, une méduse, c'est tout mou. Donc là, j'ai plus le droit de tuer des Pokémon. Alors, est-ce que... Il est nature sérieux. Il a Corsin. Il a Darvenin, Ultrason et Construction. Il a vraiment des attaques de merde. Hein. Donc là, je peux pas faire d'XP. Hein. C'est bon, je l'ai appelé tout mou. Je l'ai pas appelé... je l'ai pas appelé Entai. Je vous avais dit que j'avais changé. Non, je peux pas XP sur... Je peux XP que sur les dresseurs. Donc c'est ça qui est dur. Et en fait, ça veut dire que si je prends du retard d'XP sur un Pokémon, bah, je l'ai un peu dans le cululu, quoi. Donc, voilà. Surtout qu'en 5G, il n'y a pas de multi-exp, c'est à partir de la 6G. Peut-être que le challenge est plus facile en 6G, hein, mais bon. Ok. En avant. Rampe, enfin. Ok, il faut que j'affronte les dresseurs, hein. Je cherche des Pokémon. Le jeu va être compliqué. Ouais, je pense que ça va être dur. Mais déjà... Dresseur ? Non. Oui, je sais. Ok, hyper... Hein ? Oh oui, c'est vrai ! Les objets sont... Mais j'ai complètement oublié de lire. Les objets sont randomisés aussi. Je crois ? Oui, c'est pas normal de trouver une hyperbole là, là. Ah oui, c'est vrai, c'est Goya. Salut Goya. Ça va? Et toi, t'es Fifou de Pavonnet. Salut. Ça va? Ton diamètre, c'est un beau Pokémon, mais tu manques d'expérience, je vais m'occuper de toi. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Oh, les musiques de la 5G sont tellement mythiques. Comment va ton équipe? Prends bien soin d'eux. Si tu veux passer par le centre Pokémon... Non, j'ai pas besoin de passer par le centre Poké. Oui. C'est par là. On va pouvoir commencer ton entraînement. Pourquoi t'as deux cartes? Ah, t'as celle d'un ami. Il serait pas accompagné d'un Vipélière. Il est sur la route 20. La route 20, il suffit de suivre le chemin. Ok. Et là, il est premier dresseur. Ok. Premier dresseur. Ok, le premier dresseur. Ok, Tarinor. Ouais, ouais, ouais. En vrai, je peux... Je peux mettre de l'XP sur tout mou. Hey, son Pokémon est vraiment bas niveau. Je rappelle, hein, les moves ne sont pas random, donc je sais qu'il peut pas avoir des attaques complètement aléatoires. Et la fermeté, évidemment. Ok. Deuxième dresseur de vaincu. Oh là là, la victoire. J'espère que... J'aimerais bien que mon Tentacruel apprenne des attaques haut, mais bon... Attends, non, c'est pas type fait, hein. Ouais, j'ai eu peur pendant deux secondes, mais c'est pas type fait dans cette génération. Par contre, je peux le tuer avec mon Tentacruel d'Arvenin. Oh, tout mou, c'est parti. Iron Man, c'est un Pokémon, pas d'équipe autorisée. Bah, moi, j'ai des règles et c'est pas ça.
Bah ouais, mais il m'a vampigraine, ce bâtard. On va remettre une cruise. C'est une nouvelle zone. Ouais, c'est une nouvelle zone. On n'a pas trouvé encore. Je crois qu'il y a des dresseurs que tu peux réaffronter à l'infini dans ce jeu. Oui, mais on les affronte qu'une seule fois, nous. Mais tout le monde en lead. Oui, je pourrais, ouais. Le chemin vers la ligue est tout tracé. Franchement, Ud Cruz, il est fort. Mais c'est vrai que... Ok, l'XP était stylé. En fait, voilà, quand les Pokémon sont des Pokémon évolués, ça donne vraiment beaucoup d'XP, en fait. Ok, Pokémon de zone. Ok, ouais, les items sont complètement aléatoires aussi. Qui va être le Pokémon de notre route? Je pense que là, il faut vraiment qu'on se fasse une team. Oh non, Kikli. J'ai peur d'essayer de fuir et qu'il me casse la gueule. On va mettre tout mou avant de fuir. Normalement, c'est un Pokémon que je peux changer. Écoutez, les enfants. J'ai la liste des règles et il y a marqué nulle part qu'il y a un seul Pokémon. Ah non, 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 non. Non. Oui, oui, je peux choisir. Oui, je sais. On regarde. Serpong? Pour l'instant, les choix s'orientent vers Kikli, je dirais. Kikli, ça peut être pas mal, mais... Ah ouais, mais s'il a pas le bon talent, on fait quoi? C'est impossible de passer sur Bitambois. C'est pas possible de passer sur ce Pokémon. Je sais qu'il est pas fait dans le jeu, mais... Parce qu'il y a une chance sur deux qu'il soit nul, quoi. Ouais, je suis obligé de le tenter, hein. Est-ce qu'il a... Teste son talent. Bah, je peux pas. Merde, attends, parce qu'il me faut... Je sais pas s'il a des bonnes attaques. En vrai, on peut l'affaiblir avec Darvenin, là, attends. Un gros combat, hein. J'espère que vous appréciez, hein. On prend le risque. Ouais, on prend le risque. On va l'affaiblir. On va le passer à l'orange au moins. Enfin, par contre, Corsin, c'est bien. Il est nul dans cette génération. Azumarill, nul! T'as craqué ton slip. C'est pas nul, Azumarill. Non, parce que maintenant, là, je suis sur un timer. Si je le capture pas, il meurt et je peux plus capturer de Pokémon dans cette route, hein, je rappelle. Ok, donc vraiment, ball, Pokéball. Allez, mon gars. Allez, mon bro. C'est tellement lent, ce jeu. Comment ça fait les attaques? C'est trop stressant. Azumarill, rentre dans la boule, tu vas mourir, mon gars. S'il te plaît. Bon, là, il est empoisonné dans le rouge. Mais débile, débile. Non. Il voulait pas bénir mon... Il voulait pas bénir. Il est vivant. Ok, je le tente. À l'Hyper Ball, c'est parti. Hyper Ball, 1 PV. Ok. Ouh. Ah, c'est bon. Bon, Azumarill.
Le truc, c'est que je peux pas l'appeler Bite en bois. Je peux l'appeler... Je peux l'appeler bout de bois. C'est le... C'est bout de bois, les mecs. Ok, bout de bois, as-tu Coloforce ? Heureusement qu'il s'appelle bout de bois, hein. Bon, bah, bout de bois est un peu un échec, mais bon. On va pas trop XP bout de bois, je pense, hein. On va XP... on va plutôt XP les autres, hein. Parce que l'XP est tellement limité. En vrai, je crois qu'il va falloir que je reprenne les fameuses règles habituelles de je m'autorise moins de Pokémon. Enfin, je mets pas 6 Pokémon dans mon équipe comme je fais dans les récents Nuzlocke, quoi. Avant, je faisais 4 Pokémon. Et bah, je crois que là, je vais le faire par défaut, quoi. Non, mais c'est un bout de bois, c'est un bout de bois. Ah, il faut que je me rachète des Pokéballs. De toute façon, j'ai que ça à acheter, hein. Techniquement, je peux pas m'acheter de potions, donc ça a le mérite d'être clair. Hop. Donc on peut vraiment acheter autant de trucs qu'on peut. Ah, j'ai pas mis le texte en rapide. Ok. Option vitesse du texte. C'est pas mieux de garder un sacrifice ? Bah si, bout de bois sera un peu le sacrifice entre guillemets, quoi. Après, en vrai, je rappelle, on n'a pas de potion, donc en vrai les sacrifices, est-ce que ça change grand chose ? Ça change moins que sur un jeu classique, on va dire, mais bon. On va mettre tout mou en premier pour l'XP. C'est un peu dangereux de faire ça, mais bon, il vaut mieux que je fasse ça maintenant, quoi. Prends-en 10 pour la Honor Ball. Oui, j'ai oublié. Ouais. Flottajou, ça devrait aller. Je vais peut-être pas changer de Pokémon à chaque fois. On va pas faire des optis de bout de ficelle littéralement à chaque fois. Par contre, c'est vrai qu'à coup de Darvenin, en vrai, je crois que ça irait plus vite de switcher, je pense. Hein. Oui, bon, d'accord, je pense que ça ira plus vite de switcher. Hein. Les objets de combat sont autorisés. C'est une bonne question. Je crois que je peux rien acheter, donc oui, les objets de combat sont autorisés, mais seulement les objets de combat que je trouve dans la nature. Voilà. Seulement ceux que je trouve dans la nature. Donc si je trouve un X-Attaque, j'ai le droit, tu vois. Genre là, par exemple, j'ai déjà eu un Pokémon de zone. Putain, il y avait Gastly aussi. En vrai, le mieux, c'était clairement Kikli, mais bon. Donc je peux pas les capturer, ces Pokémon. Montagnarman. Comment ça, tu veux continuer alors que t'as pas un seul badge ? Va donc te battre avec les dresseurs. Oh là là. Là, je peux pas aller. Ah oui, c'est vrai. Oh, il y a les saisons aussi dans le jeu, j'avais oublié. Ok, le ranch. Attends. Ok. Allons au ranch. C'est une zone. Come on. Je rappelle, hein, attention, ce n'est pas un Pokémon obligatoire. Ça ne fonctionne pas comme ça. T'avais le droit d'acheter des Pokéballs. Oui, je peux acheter des Pokéballs et des repousses, c'est les seuls objets que je peux acheter. Ça et les CT et tout. Oui! Par contre, il va me casser le cul, non? On va le ultrason. Très mauvaise idée. Aïe! Aïe! Non mais il a Guts en plus. Non mais c'est ultra danger là. Alors. Je suis chaud. Mais Je suis chaud, mais j'ai un peu peur, je vous avoue. Parce que là, si...
J'ai peur. Je me sens trop nul. Vous inquiétez pas, la situation est sous contrôle. J'ai pas envie de recommencer une troisième fois. Une septième fois. Essaye. Attendez. On va faire ça mieux. Parce que là, il a fait Fury, il m'a tapé, il m'a fait mal. Il a pas d'attaque combat à ce niveau-là. Je sais pas. Mais il faudrait que je regarde en vrai. Hein. On va checker les autres Pokémon parce qu'il y a un monde où il y a des Pokémon encore mieux, tu vois. Genre là, il nous faudrait un type vol. Si je trouve un Piaf, je le prends dans mon équipe. Donc il y a Love Disc. T'as loupé des objets. Non mais j'irai les chercher après ces objets. Là je veux avancer. On ira faire des optis après mais sur Twitch. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas un monde où Ratatax est méga fort les gars? En early, Ratatax spam attaque normale, c'est vraiment très fort. Il y a un monde où c'est fort, hein. Avec Vive Attaque et tout. Non. Non, ça pue. Oh oui, prends-le. Non. Ok, bon, tout le monde dit non. Ok, Natu, ça se fait. Niveau 12. Ok, la situation est sous contrôle. Eutcruz. Mais je connais pas le jeu. Oh, il a ténèbres. Ça va faire 12 dégâts à chaque fois. Oh. Dracorage. C'est bon. Dracorage, ne rate pas. Ok, c'est bon. C'est bon. L'XP est pas mal en plus. Oh, Limaspeed. Bon, Limaspeed. Non mais il faut que je reste et que je fasse le Dracorage. Hein. Bombacid. Allez, Eud. Et Eud qui ne rate pas ses Dracorages malgré le talent. Hein? Ah, il m'a mis un carton rouge. Oui d'accord, il porte des objets au hasard. Oh non mais reflet. Attends mais c'est quoi ça? Oh non. C'est bon. Ça va passer. Et voilà! Le sniper! Tout mou le sniper! Oh l'XP, oui, merci! Eutcruz niveau 11. J'ai encore perdu. Oui! Tu rigoles pas. Pourquoi t'es là, une carte? Ah oui, c'est à cause de ma frangine. Ça va bien m'aider. Salut! Tout ce bruit, c'est un combat Pokémon. Allez, jeune! Vous êtes qui? Je suis qui? Ah, elle est bien bonne! Le propriétaire du ranch, pardi! Jean-Pierre Isan! Voici mon oppose, Madame Isan. Il faut se soigner. Oui, donnez-moi des potions! Plus! Plus de potions! Donnez-moi des potions! Vous n'aurez pas vu mon autre ponchien. Je vais te chercher moi, votre ponchien. File-moi un coup de main. Non, je te file pas de coup de main. Quelle apitrine, il a piqué celui-là. Tu
tout à fait. Si vos Pokémon se blessaient, je pourrais vous soigner. Oui, soigne. Ok, on va pouvoir faire nos tests pour capturer Scarino, du coup. Ok. L'avenir est positif. Filalu, je prends, non? C'est cool, Filali. Petit plante. Par contre, j'ai un... Grosse stat hein, aussi pour un Pokémon à ce niveau-là. Il a des grosses stats. Ok, on l'a empoisonné, donc maintenant on le ball. Ouais, c'est pas mal, Filali, en vrai. Bon, c'est pas un très bon type, mais... Dur à capturer. Ouais, bah on va essayer. C'est mal aussi avec charge, mais... Je pense que c'est mieux que Scarino, hein. Parce que les doubles faiblesses, bon, c'est dans ce genre de jeu, c'est... De faiblesse insecte. Ouais, mais c'est pas grave, tu sais, c'est normal quand tu fais une équipe d'avoir des faiblesses qui se cumulent, hein, je veux dire. Allez. Ok. Pourquoi ça spamme les smileys? Mais pourquoi ça spamme les smileys simples? Qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous spammez les smileys simples? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Filali! Ok, il est mort. Il a encore un tour, là. Mais pourquoi tout le monde spam les... Yes! Il est rentré. Il utilise la photosynthèse. Il est niveau 11 en plus. Eh ben, vous savez comment on va l'appeler? Ah, mais oui! C'est parce que c'est vrai, il s'appelait Smiley. Mais oui! C'est vrai. Et du coup, à chaque fois que vous le voyez, vous devez mettre un smiley. Vous connaissez les bails mieux que moi. Eh oui. Ah, il a trancherbe. Oh, c'est très, très, très fort. Trancherbe stabé à ce niveau-là et charge. Ok, franchement, on a un pas si mauvais début que ça. Il faudrait juste que notre Tentacruel tape un peu plus fort. Genre avec une attaque genre Buldo ou même Écume, ce serait bien. Ou pistolet à eau, quoi. Bon, alors l'autre, il cherche le machin. Le ponchien, il est passé où? Attendez, il y a un objet, là. Ah, il y a des dresseurs, ici? Oh, ils sont trop mignons, les petits. Et moi, les moutons, vous savez ce que je leur fais? Venez ici. Et le bouton qui fait « What ?» Excusez-moi. Oui, bébé. Ah ! Oh. Ça a quoi au niveau 9 un rotiflame? Parce que j'ai un très bon match-up avec... J'ai un très bon match-up avec Tumu, mais le problème c'est que... Il fait que des darvenins nuls, quoi. Bon, ça va, il fait des flamèches.
flair. Ok, pour l'instant, il a mimiqueux, flair, flamèche. Donc à moins que sa dernière attaque soit une attaque combat, normalement ça va. Il était stylé, un bord avant la 6G. Ouais, en 5G, il est fort. Hein. Enfin, il est cool. Bon, vraiment, le combat d'enfer, quoi. Ah, ça y est. Ok. Vous savez que Constriction, c'est la pire attaque du jeu ever. Voilà, bah, je l'ai utilisé une fois. Je lui ai baissé sa vitesse. Donc en 2024, c'est plus les mamans, c'est les moutons. Tu me connais trop bien, mec. Oh, le combat de l'enfer, quoi. Il a spammé flamèche. Et tonnerre. Et là, il y a un tonnerre qui proc. Bon, par contre, l'XP. Tout pour tout mou. Apprends une attaque, s'il te plaît. Apprends une attaque, s'il te plaît. Apprends une attaque. Oh, c'est trop bien ça par contre. Ed Cruz va prendre coup de boule. C'est mieux que coup double. Ce coup de double peut rater. Et coup de boule peut flinch. Putain, coup de boule, coup double. Est-ce que vous aviez remarqué que dans coup double, il y a exactement le même nombre de lettres que si on voulait dire coup de boule? Et oui! Car figurez-vous que c'est un anagramme. Coup de boule est donc l'anagramme de coup de double. On en apprend tous les jours avec Fifou. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce live. Vous apprendrez beaucoup d'anecdotes originales sur le jeu Pokémon. Comme par exemple, les anagrammes de Pokémon. Savez-vous que pénis était l'anagramme de Nisp? Je peux pas le tuer. Enfin, quand je vois des Pokémon comme ça, j'ai envie de les tuer pour l'XP, mais... Le pont chien, tu crois qu'il est parti encore plus loin? Bah... Ah oui, il y a le laveur. Ok, attention les laveurs. Un dresseur inconnu vient ici. Ouh, Givralish. Ouh là là. C'est là qu'on voit que Tentacruel, c'est vraiment un excellent type Pokémon. Parce que vous voyez que à chaque fois... qu'il y a des Pokémon, je suis en mode, ok, Tentacruel peut gérer. C'est vraiment très très fort ce Pokémon. Je pense vraiment que notre meilleure chance dans cette game, c'est vraiment Tentacruel. Donc je pense qu'on va essayer de focus un peu l'XP sur Tentacruel. Et je réserve un tout petit peu pour Philali, parce que même si c'est cool, je le garde un peu en backup pour l'instant. Je vais essayer de monter les autres Pokémon. Ce qui est bien, c'est que l'XP est quand même assez stylé. Il a appris acide, enfin! Ok, Volcaropod. Allez, Eud. Non, il y a lyophilisation... L'utilisation, c'est une attaque de la 5G ou de la... Je sais plus. Ça m'inquiète un peu de ne jamais rater mes attaques, parce que du coup, ça veut dire que je vais les rater au mauvais moment, quoi. Attends, Dracorage, c'est une précision de 100 ou c'est une précision parfaite? Non, c'est 100, hein.
Donc ça veut dire que je peux rater et c'est juste que pour l'instant j'ai eu de la chance quoi. J'ai un truc à partager avec toi. Merci! Merci pour cet antipara! Merci beaucoup! Il a peut-être eu un accident. Moi aussi, à ma naissance, j'ai eu un accident. Il faut que j'aille dans les foins. Fouille le foin, qu'on me dit. Je fouille le foin. Voilà, il n'y a rien dans le foin. Vous m'avez menti. Ah oui, je me rappelle, c'est vrai, c'est les arbres qui ressemblent à une bite. Le ponchoin. Dibidibidi. Je fouille le foin. Voilà, je fouille le foin. Les attaques spéciales sont pas affectées par agitation. Quoi? Mais non. Mais non, mais n'importe quoi. Ah oui, c'est vrai. Oh! Let's go! Ça veut dire que mon dracorage a une précision parfaite. Vous savez quoi? Même Fildron peut apprendre des trucs. Trop bien. Agitation ne baisse pas les précisions des attaques physiques. Mais c'est... Enfin, baisse la précision des attaques physiques seulement. Mais je savais pas. Fildron a appris la strat à quasiment tout le monde ici. Ne sait pas que agitation ne fonctionne que sur les attaques physiques. Et ben voilà. Et maintenant on a acide. Donc on a enfin une bonne attaque sur tout le monde. Je viens d'apprendre un truc. Bah écoute, moi aussi. Et on a enfin une bonne attaque aussi. C'est vraiment bien. Remettre en stratégie. Non mais c'est bien qu'on apprenne tout le temps. Pirate attaque. Ah ouais mais c'est trop fort du coup. En vrai j'aurais pu mettre Fidali là. J'aurais pu mettre Fidali pour faire un peu d'XP à Fidali. Mais je préfère attendre un tout petit peu pour l'XP de Fidali, je suis pas trop sûr. Hein. Ah ouais mais du coup ça veut dire que vraiment c'est très très fort là. Parce que je suis assuré de two-shot les Pokémon. De one-shot les Pokémon genre jusqu'au niveau 12 et de les two-shot jusqu'au niveau quasiment 25, un truc comme ça. Hein. Module cryo. Le module cryo. C'est par là, je crois. Ruff. Ruff. Cet aboiement, ce serait pas... Mais oui, Rototo, c'est ta mère. Pardon, excusez-moi. J'avais dit que j'allais changer. Ah merde, c'est vrai, il y a la... Je veux peut-être... Tu bouves. Je peux pas le tuer hein. Ok, attends. C'est un combat de boss donc les Pokémon vont être haut niveau. Je vais aller me soigner, surtout que j'ai pris Il a changé son micro. Oui, le son est meilleur. Alors Eudcruz. Acide, c'est combien de puissance? C'est 60 ou c'est 40? C'est 40. Bon, c'est vraiment pas incroyable, mais ça fait le café. Ok, donc là, vraiment, avec Eud, on peut... En fait, j'avais peur de l'utiliser, mais en fait, non. Je me suis complètement fait peur pour rien. Petit passier. Fun fact. Agitation augmente de 50% les chances de rencontrer un Pokémon HL. Ouais, j'ai lu ça, ouais. Ça, je savais pas non plus. What? Ah, putain, j'ai eu peur. J'étais en mode... attends, quoi? Nature moins attaque spé. Oui, bah c'est un peu de la merde, mais bon. Disons que, en vrai, dans le début de la game, tu préfères avoir une attaque qui augmente, une nature qui baisse pas ton attaque. Et très honnêtement, vous pensez vraiment que ce Pokémon a une chance d'arriver au niveau 50?
Je vais chercher Monsieur JP, toi tu surveilles le pont chien. Voler sa sucette à un bébé braillard, ça me fait pas peur. Tu connais la Team Plasma? Oui. Ce sont les guerriers héros de la liberté de Pokémon qui ont tenté de conquérir une île pour leur cause. Les faibles d'esprit ne peuvent pas nous comprendre. Quelle poisse! En poursuivant ce pont chien, je me retrouve dans ce trou perdu. Un mioche m'a découvert. Tiens. Oh, il est frustré! Ça me laisse le temps de m'enfuir. Ah bah oui, évidemment, ouais. Ah on combat même pas ce gars. Tibidibidi. Poif, poif! Salut! Putain, y'a même pas de combat, là. Pont chien, mais qu'est-ce qui t'a pris de te perdre? Je vous dois une fière chandelle, les petits. Et si votre Pokémon avait vraiment dit... Oh là là, ta gueule, Rototo, là! Ok, Sasuke! Qu'il est chiant! Il est un peu stressant et mal poli, ce gamin! Il est mal poli! C'est vrai qu'un Rototo, c'est pas extrêmement poli. Hein. Ok. C'est bon, là, il me donne quelque chose avant de partir ou pas? Ok. Et maintenant, il faut que je retrouve Goya pour l'entraînement. Salut! Tu as pu donner ta carte à son ami. La dernière fois, remonte à il n'y a pas 3 secondes. Ton équipe à toi avait énormément changé et appris. Vous allez me rendre un service. Oh non. Ah oui, c'est vrai, il faut que je défie son maternel, là. Celui qui a 3 ans. C'est ça, hein? Il y a un enfant. Oui, c'est ça. Les maternelles de merde, là. Ça a l'air d'être un dresseur super balèze. Même en perdant, on apprend. Oh non. C'est toi qui vas entraîner les Pokémon. Je vais te montrer que mon Pokémon est le plus super. Il y a un terrain de combat juste dehors, mais ouais, on fait ça dans la pièce. Ouais. T'inquiète. Ok, Flobio. Niveau 14. Lui, il doit avoir 40 points de vie, je pense. Mais bon. Là, on one-shot plus. Non, la Bepomo! Mais ils ont des attaques au hasard, ils ont des objets complètement pif hein. Oh non, c'est sûr que je vais me faire troll par une ceinture force à un moment dans le jeu. C'est sûr que je vais me faire troll par une ceinture force. Ok, Hulk Cruise est niveau 14. Je dois continuer à étudier avec Monsieur Goya. Oui monsieur, je dois soigner l'équipe de Fifou, ok. Les affinités de type, c'est la clé des combats Pokémon. Oh là là, mais qu'est-ce que tu casses les couilles, là? Élève Sari. Ok, Géolite. Donc là, on one-shot déjà plus les Pokémon, parce qu'ils sont évolués, en fait. Par contre, là, l'XP, ça pourrait être intéressant sur mon Tentacruel. Je vais mettre tout mou et je vais le tuer avec Acide. Fait du bien. Hein. What the fuck? C'était un crit ça? C'est vrai qu'on est dans un jeu où les crits font 2 fois plus de dégâts, donc c'est vrai qu'il faut faire gaffe à ça. Hein. Élève Sari. On sentait vraiment la joie des Pokémon. Ouais! Oui, c'est tout le plaisir des voyages. Ok. Donc là maintenant. Oh non! Non, pas lui. C'est vrai. Je sais que nous ne nous connaissons pas. Oh non, pas les médailles. C'est une bonne médaille. Et je sais ce que c'est la chasse aux médailles. La chasse aux médailles. Yeah. Oh. Oui, et médailles. Oui, super, merci. Vraiment le perso, quoi. En vrai... Non, mais laissez-moi jouer. Il y a une nouvelle arène. Une arène à Pavonnet. C'est là Pavonnet. C'est ça Pavonnet. Non, c'est pas Pavonnet, ça, c'est autre chose, ça. Non, ça c'est Amélide. Oh, je connais vraiment pas le nom des villes de ces générations. Hein. C'est abusé, à partir de la 3G, je me rappelle plus du tout des noms des villes.
Ah, c'est vrai que c'est joli, regardez, on voit les dresseurs en dessous et tout. Ah ! Il y avait un Junko niveau 3 ici. Je peux pas le tuer. Faut que je me rappelle à chaque fois. Tu veux continuer ? Et qu'est-ce qui me casse les couilles, lui ? Oh, une sombre boule. Ah mais non, je suis con, faut revenir dans la ville de départ. J'avais oublié. C'est Cheren, mais oui, c'est, je suis pas en 5G, je suis dans Black and White 2. Donc du coup, c'est, il faut que je revienne affronter Cheren. Fifou ! Encore ! Mais tu me lâches jamais le cul, toi ! C'est impossible ! On dirait les hémorroïdes ! Quoi ? Oh, des béorans, c'est gentil quand même. Ce sont des béorans. Ok. Ok. Au revoir ! Ne reviens pas, surtout, hein. Bon, par contre, les béorans, c'est cool. En vrai, je vais pas les... T'as lu le chat? Non, je m'en suis rappelé, là, pour le coup. Sauvegarde. Ah oui, j'avoue, on va sauvegarder. Ok, Cheren. Mais arrêtez de me dire d'aller chercher des objets, j'ai dit, on ira après. On ira après. Je ferai un live sur Twitch après. J'irai chercher les trucs. Là, je veux avancer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'est même pas au premier badge alors que ça fait une heure et demie qu'on joue, hein. Oh, une défense plus, merci. Ça peut être utile, défense plus, tu vois. Salut. Donne-moi mon eau fraîche. Je t'en supplie. Oui, une eau fraîche. Ok. Salut Cheren, un challenger, bienvenue à l'arène. Ok. Nous devons traiter nos challengers comme il convient, alors à vos postes. Si tu arrives à vaincre ces deux dresseurs, tu pourras m'affronter. Ok. Comment tu fais si tu tombes sur un Pokémon sauvage avec piège manier piège? Bah je suppose que si tu veux vraiment pas fuir... Possessif Dracorage. Tue-le. S'il fait Dracorage, je suis mort. Il faut que je tente, hein. J'ai pas le choix, hein. Faut que je tente, hein. Je peux pas, de toute façon, il me tue. S'il te plaît, fais pas Dracorage. Tank. Eudes, le premier coup d'éclat de Eudes. Oh, Eudes, c'était si beau. Switcher. Scalpion. Oh. Oh, je le touche pas. Je touche littéralement pas Scalpion. Je vais vraiment le tuer comme ça.
Ah! Putain, sa team est tellement forte, c'est abusé. Oh non, non, il a le bâton, il a le bâton! Il a défiant! Oh putain, j'ai eu peur. Faut vraiment pas que je fasse constriction, parce que si je lui baisse sa défense, c'est... Non, mais il faut que je le fasse avec... Frappe, 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 frappe. Putain... Non, non, mais il faut que je le fasse avec... Smiley. Vite, les mecs, mettez des smileys pour porter chance à Smiley. Tu peux arrêter de ne pas te frapper dans ta confusion, merci. Putain, qu'il est chiant! Non, il a Taillade. C'est une blague. Ne refais pas Taillade, s'il te plaît. Oh non, 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 s'il te plaît. Non. Oh non. Ok, ok. J'ai un game plan, j'ai un game plan. Je vais être obligé de le sacrifier un Pokémon, mais j'ai un game plan. Bout de bois! Sacrifie-toi! Adieu, bout de bois. Adieu. Adieu, bout de bois. Tu n'étais pas bite en bois. Mais tu étais bout de bois. Et on ne peut pas ignorer que bout de bois était présent. C'est bon. Regardez, Mathieu. C'était juste un combat. C'était juste un combat. Bout de bois. Bout de bois qui s'est sacrifié. Adieu, bout de bois. Bout de bois, on ne t'oubliera jamais. Cruise le carry. Bah en vrai, oui. Parce que là, en gros, j'étais pas sûr de... Je pense pas que je sais pas les PV qu'ils ont, en fait, les Pokémon, donc... Ah, il faudrait que je check, limite, hein. Comment tu fais si tu retournes un Pokémon avec piège manivelle? J'ai déjà dit, je pense que si ça arrive, bah c'est pas grave, c'est pas grave, je peux tuer un Pokémon, si tu veux, je vais pas... Si tu veux, je... Dans le challenge, je n'explose pas si s'il y a un moment, il y a un truc qui m'oblige à faire un truc qui n'est pas dans le challenge, si tu veux. Ok. Petit passier. Bout de bois a sauvé la run. Son sacrifice ne sera pas oublié. Bout de bois, 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 bout de bois. Bout de bois. Ok, next. Les sprites. Ouais, il faudrait qu'on mette les sprites. On ira les mettre après. Ok, Lopin. Bon, il doit pas l'aimer beaucoup, là. Ah, ok, il le kiffe. Non, mais franchement, par contre, stop, hein. Et là, attaque de type combat. Non, il n'y a pas méga Lockpin dans le jeu. Il n'est pas disponible. Ce n'est que Lockpin. Ce n'est qu'un Pokémon de merde. Ok, Lumivole. Lumivole, on va le faire avec Toumou. Parce que ça peut avoir des attaques insectes. Les baies pour le champion. Oui, 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 vous inquiétez pas. On va mettre les baies. On va setup tout ça. Déjà, faut que je batte lui, là. Non mais même pied sauté, je pouvais le tanker, je pense. Oh, ça va être long. Les Poké qui tankent avec un PV. Ouais, bah c'est pas gratuit pendant si longtemps que ça. Mais après, Dracorage, faut se rendre compte quand même que je vais tout shot. Bon.
Tu veux vraiment la jouer comme ça? Oh, mais Lumivol! Tu pourris mon groove! C'est pas possible, ça! Allez! Je crois que c'est sa dernière ou son avant-dernière. Hein. Je crois qu'il lui en reste un. Empoisonne-le. Bah, ça change rien. Hein. Il vaut mieux que je spamme acide. Il a pas une infinité de... Il y en a que 5 des rayons lune, donc... Aucun drop de stats avec acide. Acide, c'est que 10%, je crois. C'était son dernier. Ça sert à rien de darvenin pour poison, les mecs. Ça changerait rien. Ça changerait rien. Parce que, déjà, le temps que j'empoisonne, je lui fais 0 dégâts. Et c'est pas du toxique, en fait. C'est du soin normal. Donc, c'est du poison normal. Donc, c'est pas rentable. Autant spammer acide, croyez-moi. Regardez, là, il a plus d'attaque. Je suis énervé, vous avez pourri le groove de Fildong. Et ouais. Allez, tout mon niveau 14. Bon alors, le Pokémon le plus haut niveau de Cheren va être niveau 21, on est d'accord, hein. Je crois, hein. Il a son Ponchien qui est niveau 14 ou un truc comme ça. Donc 14 plus 50% d'XP. Enfin, je sais pas si ça marche tout à fait comme ça, mais... Donc, on va mettre des Béorans. On va donner les Béorans à tous les Pokémon. On risque d'en avoir besoin. Allez. Ça va être chaud, hein. Surtout si c'est un level 21 qui a un avantage... Mais bon. Pire, on peut sacrifier notre Filali. Ça va être la sauce, ouais. Sauvegarde au KFC. Allez, vas-y, tu sais quoi, je sauvegarde au KFC pour toi. C'est n'importe quoi, il faut que je règle le problème, hein. Ok, Cheren, let's go, boy! Il s'agit certainement de ton premier challenge dans une arène. C'est aussi mon premier combat en tant que champion. Donnons notre maximum. C'est 100% random, donc il peut avoir un Love 10 niveau 21, mais il peut aussi avoir un Arceus niveau 21. Ah! Niveau 17! On est tellement dans le mal. Attendez, il a quoi? Attendez, non, il faut que je check les levels. Togekiss. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a à ce niveau? Il faut que je check les niveaux de la 5G. Il a... Aura Sphère, la... Oh putain, il a Aura Sphère, Lame d'Air, Piqué et Vitesse Extrême. Non, mais c'est une blague. Oh, il a fait piquer. Je crois que je suis mort au prochain tour ou pas? Attends, piquer, c'est combien de puissance? 140 de puissance? Non mais attends, on est d'accord, je suis mort là. Je suis 100% mort. Genre là, je suis obligé de sacrifier un Pokémon parce que sinon, je... Là, je peux pas tanker piqué. 140 de puissance l'attaque, hein. Il peut miss. Oui, non mais...
Adieu mon grand. Adieu mon pote. Smiley. Une dernière fois les smileys s'il vous plaît. Non non, potion ça passait pas. Potion 100% ça passait pas. Oh, il a refait piquer. Putain, mais c'est une blague. Et il est plus rapide que moi, il faut que je le tue. Concrétique. Tout mou. Tout mou. Il va prendre pic toxique. Alors, oui. Mais, ok. Bon, constriction en vrai. Draco souffle. Ouais, à la place de puissance. Attendez, parce que du coup, c'était le premier Pokémon, il en reste deux, hein. Ok, Lixie. Ok, Lixie, il a quoi? En fait, il faut que je check, il faut que je check les combats à chaque fois, hein. Ok, c'est Lixie, c'est nul. Mais il est très haut niveau, mais il a quoi? Il a... Il est niveau 17, donc il a... Morsure, étincelle, chargeur et chargeant. Ça va. Ok, c'est bon. En plus, il a fait chargeur. Mais les pics toxiques. Non, 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 j'ai pas le temps. Tentacool niveau 21, c'est bon. Il peut pas me toucher. C'est niveau 20 du coup. Let's go, on a vaincu Tchiren. Le premier Pokémon, c'était le plus dur. On a perdu un Pokémon, certes, mais on a le premier badge. Nous avons le premier badge. Let's go. Et sans utiliser de potion. Oui, on est dans la merde. Mais écoutez, on trouve du bonheur là où on peut, d'accord? Oh, le Togekiss avec piqué au Rasmer. Comment c'est possible? On a battu le premier badge. Et rengorgement. Alors, les CT sont à l'infini dans ce jeu. Donc, on peut apprendre à gorgement à tous nos Pokémon, en vrai. Bon, on a eu un sacrifice dans l'histoire, mais... Je crois que quasiment tout le monde peut apprendre. Ah non, tout le monde peut pas apprendre. C'est le seul badge que tu verras. Alors, c'est très probable, soyons honnêtes. J'aime bien ces 4 poses d'attaque, donc je vais les garder pour l'instant. Smiley est mort. Les mecs, mettez des smileys dans le chat pour la mort de Smiley. S'il vous plaît. Oups. Coucou. Ça s'est passé comment? Ouah, le badge. Et là, c'était retour. Bon bah, j'ai retour et frustration. Mais c'est Tchiren! Bianca, ça fait si longtemps. Ça fait que 2 ans qu'ils se sont pas vus. Ça fait 2 ans qu'ils se sont pas vus. C'est ouf, en vrai. Mais c'est abusé, en vrai, parce qu'ils s'aiment pas, en fait. C'est pour ça, hein. Je pourrais te parler. Oh non, pitié. Oh non! J'avais oublié ça. Oui, allô? Je suis le professeur Keteleria. Bianca m'a dit que tu avais accepté le Pokédex. Nous allons encore mieux nous entendre avec les Pokémon. On finira copain pour Gricuit. Il y a tout plein de Pokémon qu'on n'avait jamais vus par ici il y a 2 ans. Ma petite Bianca, merci d'avoir fait le déplacement pour moi. Et sinon, Tchiren, ça marche. Ta nouvelle vocation de champion d'arène. Professeur, cela faisait si longtemps, toujours aussi dynamique. Namique, c'est une activité fort exigeante. Ok. Tchiren, c'est une graine de champion. Et moi, je suis un autre Pokémon. C'est un DVD ou dresseur en voie de développement. Un futur super dresseur. Merci Bianca pour ta participation, tu ne sers à rien. Ta priorité, c'est de faire un beau voyage avec les Pokémon. Nice. Salut. Le champion, je suis venu pour vous battre. Tu m'as l'air d'être un dresseur redoutable. Il est temps de passer à l'arène.
A plus, Rototo. Champion d'arène, ça a l'air drôlement fatigant. Et tu me casses les couilles, Bianca. Laisse-moi jouer. Non, je veux pas... Oui, je veux pas le ségir. Stop. Je vais à Honte-sur-Mer. Oh oui, c'est la championne qui fait du rock, là. Bon, on a perdu un Pokémon, mais on a utilisé un seul objet de soin. Les mecs, encore une fois, une dernière fois, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux laver ton badge? On peut laver son badge en 5G? Est-ce qu'on peut laver son badge en 5G? On peut pas... Ah oui, sinon on peut faire de la musique. Ok, c'est parti. Attention, vous êtes prêts? Je force. Let's go! Perfect! On peut juste faire ding. On peut rien faire du tout. Ok! On a survécu! On a survécu à 1h30 de souffrance déjà. Bon. Alors. Probabilité que le challenge survive au prochain live, 0. Mais je rappelle le principe de ma série Iron Man, c'est que si j'échoue sur un jeu, je ne m'acharne pas et je descends d'un jeu. Ce qui veut dire que si on perd Pokémon Noir 2, Blanc 2, on commencera instantanément, hein, enfin selon le moment du live, mais par exemple si on perd au début, on commencera instantanément sur la version d'avant. Ce qui veut dire que si j'échoue Pokémon Noir 2, Blanc 2, je ferai Pokémon Platine. Si j'échoue Pokémon Platine, je ferai Pokémon Émeraude. Si j'échoue Pokémon Émeraude, je ferai Pokémon Cristal. Et si j'échoue Pokémon Cristal, je ferai Pokémon Jaune. Enfin, pas Pokémon Jaune, Pokémon... Bon, enfin, vous avez compris. Plutôt Pokémon Rouge-Bleu... Enfin, je pense... Je ferai les versions un peu plus récentes, vous voyez ce que je veux dire, hein. Genre, je ferai HGSS... Genre là, si je perds là, je fais plutôt HDSS, ensuite je fais Platine, ensuite je fais Ruby Omega, non, ensuite je fais Pokémon Rouge Feu, et ensuite je fais Pokémon Émeraude. Voilà, t'as perdu 4 fois. Non mais, si je perds alors que le let's play est commencé bien, tu vois ce que je veux dire, je vais pas refaire 1h30 quoi. Noir et blanc 1, non, pas noir et blanc 1. Bon, ok, le live n'est pas fini. Le live n'est pas fini, les amis, car nous allons aller, comme dans notre tradition, nous allons aller sur Twitch. Pourquoi on va aller sur Twitch? Parce qu'il y a plein d'objets que je peux optimiser, il y a des objets qu'on peut trouver aussi dans la nature. Donc c'est tout ça qu'on va faire. Et puis si vous avez des questions aussi sur bah, le jeu et le mode et tout, eh ben, vous pouvez venir, on va essayer d'optimiser un peu ce qu'on a. Donc bah, j'espère que vous serez là. Je vous dis à tout de suite. Gros bisous. Merci d'avoir été aussi nombreux. Merci encore à toi qui a fait le don de 250€. C'était incroyable. Merci du fond du cœur. À la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Mais tout de suite, on continue sur Twitch et on va aller essayer d'optimiser, de choper le plein d'objets, de regarder un peu comment on peut gérer, de regarder les prochains learn sets et tout. Plein de trucs comme ça. Bisous. Bye.